N'ayez pas peur. Pour moi, qui suis protégé par Dieu. Mais ayez peur pour vous et vos fils, qui sont ignorants de ces choses. Dixit, apôtre Husse. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je viens ici encore une fois de plus parler d'une ecclésie sur ma précédente vidéo. Apparemment, certaines personnes me suivent, mais ils ne me comprennent pas. Certaines personnes me suivent avec une double pensée. Chers tous, chers internautes, chers abonnés, lorsque vous voulez suivre quelqu'un, on ne suit pas quelqu'un à moitié. On ne suit pas quelqu'un selon les titres ou les sous-titres. Mais lorsqu'on veut suivre quelqu'un, on entre dans le bain de la personne. Chers tous, chers abonnés, je viens ici en ce jour faire un éclaircie sur tout ce dont nous avons parlé. Un éclaircie, pourquoi un éclaircie? Parce que je suis très mal compris. Chers internautes, chers abonnés, ça fait environ 3 mois que j'avais révélé ceci sur le net. 3 à 4 mois que j'avais révélé ceci sur Meta. J'avais dit que Samuel est ton fils. C'est l'homme qui va sauver le Cameroun. C'est l'homme qui va sauver le peuple camerounais. Lors de mes vidéos précédentes, lorsque j'ai dit que Samuel Eto'o tire l'énergie du Camerounais, et lors de ma précédente vidéo, des personnes ont pris cela pour me narguer. Je vous amène tous dans l'histoire du prophète Nathan et le roi David. Le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David était cet homme qui devait apporter du nouveau à l'Israël. C'était cet homme qui devait libérer l'Israël de leur grand ennemi, le dernier Philistin, Goliath. Dans le parcours du roi David, dans la genèse du roi David, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup d'abus. Nous connaissons l'histoire du roi David. Il avait l'habitude de tuer des messieurs pour prendre leur épouse. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cela n'empêchait pas. David était un meurtrier. Il était ce monsieur qui avait l'habitude de tuer des hommes pour prendre leur épouse. Mais cela ne l'a pas empêché à être un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne l'a pas empêché à être le roi ou par le prophète Samuel. À un moment, comme il avait l'habitude de le faire, de convoiter la femme du peuple, la femme des autres, il a tué son général et il a pris sa femme Bathsheba. Malgré que le roi David était un homme selon le cœur de Dieu, cela n'a pas empêché que le roi David soit sévèrement réprimandé par Dieu. Cela n'a pas empêché que le roi David aille sous un karma. Nous savons tous le karma du roi David. Son enfant qu'il avait avec Bathsheba est décédé. Son fils Absalom a couché tes femmes, lui a fait un coup d'état qui était presque réussi. A failli prendre son pouvoir, a failli prendre sa place et il a couché ses femmes en haut d'une tour, en public, toutes ses femmes en public, les femmes du roi David. Là, c'était le karma de David. Même si on est l'homme selon le cœur de Dieu, cela n'empêche pas que nous allons payer pour tout ce que nous avons fait. Nous allons payer pour toute forme d'abus que nous avons causé. J'ai dit dans ma précédente vidéo que Eto'o, c'est l'homme qui va libérer le Cameroun. Il est le Samson moderne qui va libérer le Cameroun. Qui va libérer le Cameroun des Philistins. Pourquoi aujourd'hui j'entre dans David? Parce que malgré que Eto'o soit l'homme que Dieu a choisi pour libérer le Cameroun, Eto'o fils a ses flasques. Et tout le monde qui a un flasque, tout ce qu'on fait, on paye le karma de cela. Même si nous sommes un appelé de Dieu, même si nous sommes un élu de Dieu, tout ce que nous allons causer comme tort à l'encontre des principes divins, à l'encontre des lois de Dieu, nous allons payer cela tout en restant
l'homme selon le cœur de Dieu. À l'instar de Samson, ou à l'instar de David, du roi David, Samuel Eto'o est cet homme qui va libérer le Cameroun des Philistins de notre siècle, des Philistins du lait du vaisseau. Et pour le faire, il a fallu que Dieu le arme. Dieu ne l'a pas seulement armé, Dieu l'a surarmé pour cette mission. Chers tous, chers internautes, chers peuple de Dieu, je vais revenir vers vous pour vous expliquer certains détails sur le destin du Cameroun. Comment est-ce que Eto'o va régner le Cameroun? Parce que là, c'est Dieu qui parle. Je vais vous parler du destin du Cameroun dans les 10 prochaines années. Je ne vais pas vous dire comment est-ce que Eto'o va prendre le pouvoir. Dieu m'a interdit de le dire. Mais je vais vous dire comment le Cameroun serait régné à l'ère d'Eto'o. Et ce qui va se passer au Cameroun pendant l'ère d'Eto'o et jusqu'à la fin de l'ère d'Eto'o. Parce que le Seigneur me permet de le dire. Et après tout, il y a des accusations que j'ai faites au docteur Samuel Eto'o, à l'homme qui doit libérer le Cameroun. Et s'il est sage, s'il est averti, qu'il aille diminuer son karma, qu'il aille arranger certaines choses avec Dieu, pour que pendant son règne, il ne paye pas le karma comme le roi David a payé le karma. Son fils lui a fait un coup d'état. Et son fils a couché toutes ses femmes dans un lieu public. Lui, il couchait les femmes des gens. David, en cachette. Mais son fils a couché ses femmes dans un lieu public. Chers téléspectateurs, chers tous, je ne serai pas long, puisque demain est enceinte. Nous avons beaucoup à partager dès demain. Nous avons beaucoup à partager dans les vidéos suivantes. Restez connectés. Abonnez-vous, likez la page et partagez le lien pour d'autres personnes si vous voulez connaître le destin du Cameroun. Merci beaucoup. C'est votre unique serviteur, l'apôtre Hussein. Merci. Ciao.